Bonjour, content de vous retrouver pour une toute nouvelle présentation que j'ai appelée Tourne-Bloc. Voilà donc le nouvel appareil. Rassurez-vous, c'est pas pour faire les brochettes et cuire les merguez, mais pour vous présenter une nouvelle façon de lire l'heure. Bon, de quoi c'est composé? Ici, la partie centrale, c'est en fait un cadran horizontal avec ici son style un peu comme sur le dernier que je vous ai présenté. Une plateforme tournante avec des plots. Alors, ici, l'ombre du style comme sur un cadran horizontal qu'on va aller chercher avec ce petit. Repère quand je fais tourner cette plaque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les blocs ici tournent les uns après les autres, entraînés par les plots. Alors, petit problème, c'est que ça entraîne parfois le suivant. Voilà. Et je vais donc regardez mon index qui arrive ici sur l'ombre. Et où on en est? Ben, on est passé un peu plus de 8 heures puisque le plot suivant commence à s'annoncer. Le plot de 9 heures commence à s'annoncer. Donc il est 8 heures, un peu plus de 8 heures sur le cadran ici. Ce qu'on retrouve sur les blocs ici qui ont tourné. Si on continue pour la journée, ben on va parcourir toute la journée. Alors, vous voyez, c'est encore des petits problèmes d'entraînement. Mais bref, 12 heures. Si on continue sur l'après-midi, 13, etc., on retombe sur les heures de l'après-midi. Chaque bloc est composé de donne les 2 heures, celles qui sont symétriques par rapport au midi. Voilà, on a bouclé la journée. Alors ici là qui a déjà parti un peu trop tôt, mais bon, ça fait partie des petits aléas. Voilà, et on a bouclé la journée à 20 heures et on reprendra le matin. Voilà.